casting de la nouvelle fiction de France 2, Réunion, Lou Denis Hélion ne chôme pas depuis son départ de scène de ménage. Le comédien de 40 ans a d'ailleurs eu la chance de tourner dans des lieux paradisiaques où il n'a pas hésité à faire la bringue. Ce mercredi 22 avril 2020, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série Réunion. Une comédie familiale portée par Laetitia Milot et Lou Denis Hélion qui a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs lors de son lancement la semaine dernière. Ces derniers étaient sans doute heureux de revoir l'inoubliable Cédric de scène de ménage 7 ans après son départ de la pastille humoristique de M6. Pourtant, on ne peut pas dire que le comédien a fait profil bas ces dernières années, bien au contraire. Il enchaîne les tournages, que ce soit pour TF1 avec Pour Sarah ou le service public avec Meurtre à Lille, France 3. Des tournages qui les mènent aux quatre coins du monde. En effet, pour Réunion justement, Lou Denis Hélion a eu la chance de s'envoler sur l'île de la Réunion et d'y rester 3 mois. J'ai rarement vu des paysages aussi beaux. La moitié de l'équipe de tournage était réunionnaise et j'ai eu la chance de découvrir la Réunion traditionnelle, a-t-il confié auprès de nos confrères du Parisien. Sur place, l'ex-partenaire de jeu d'Audrey Lamy a même pu se rendre aux endroits les plus cotés, pour faire la fête. « On peut dire que je connais toutes les boîtes de l'île par cœur », assure-t-il pour le quotidien. Une activité qui est vraisemblablement devenue incontournable pour l'acteur de 40 ans puisqu'Oyol a également mis en avant son côté couscetard lors du tournage de Coup de foudre à Bangkok, qui s'est terminé tout juste 2 semaines avant le début du confinement. Débarqué en Thaïlande pour vivre cette nouvelle aventure aux côtés de Mathilda May, Lou Denis Hélion a là encore fait le tour des clubs locaux. À Bangkok, il y avait une boîte hip-hop à 200 mètres de notre hôtel. Quand on ne tournait pas le lendemain, on y passait pour se détendre, on adorait ça. Une nouvelle facette de sa personnalité que beaucoup ignoraient sûrement. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và vì dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19.